non. De corner, comme ça a été le cas. Allez, corner à suivre. Sergio, toujours pour le frapper. Ça revient dans les pieds. Attention, tergiversation. Et l'arrêt, l'arrêt de Théo Guimard après ce ballon. Et encore, ça va vite vers l'avant. Là, c'est Malaga qui va s'en remettre. Oh, attention, la mauvaise passe en retrait. Et le but, le premier but inscrit après 2 minutes de jeu déjà. Et Villefranche-Beaujolais qui vient ouvrir le score. Et ça leur pendait au nez là avec ce début de match énorme de la part des joueurs de Villefranche. Là on voit que... Oh, Brian Lam qui échappe à la défense de Villefranche. Il arrive à contourner Alexis Sauvage, mais il emmène trop son ballon. Le centre quel derrière, dommage. C'était bien joué de la part de Brian Lam. Le décalage était bien fait. C'est récupéré par Jonathan Mexique. C'est pas terminé. Il a du soutien derrière lui. Vers Alassane Sango pour Moussa Diallo. Le centre et la tête de Brian Lam qui passe à côté des cages d'Alexis Sauvage. Et on n'ira pas plus loin. Cholet 0, Villefranche Beaujolais 1. Pour Abissa, oh, le beau coup du sombrero là sur Rémi Sergio. Le bon ballon en profondeur pour Najib Bawiya. Bawiya, une touche de balle, centre retrait. Et le but. Et le but. Le but de Jonathan Mexique derrière. Et voilà, ça part de loin. Avec Bawiya qui vient de rentrer en jeu, passeur décisif et le but pour l'égalisation. Ah, il est beau, il est très beau, il part de loin. Il est assez récupéré par Jonathan Mexique, il a tenté la diagonale, réclame une main, et oui, et la main, et le coup franc à suivre avec Kevin Rocheteau. Pied gauche, et bien frappé, ça part dedans. Quel but ! Oh, qu'il est beau ! Oh, qu'il est beau ce coup franc de Kevin Rocheteau. Et voilà le 14e but de Rocheteau sur ce coup franc magistral. Avec ce bon ballon pour sa Trebelzi, côté gauche à la lutte avec Omar Gonzalez à l'entrée de la surface de réparation. Sa Trebelzi qui prend le dessus, le centre retrait. C'est pour Abissa, la frappe elle est contrée. Elle est touchée cette balle et ça part en corner. Le ballon est perdu, récupéré par Villefranche qui va remonter vers l'avant. Attention avec cette attaque foudroyante là à la lutte. Oh, c'est avec Jessine Seba, ça arrive dans la surface de réparation adverse, le centre, et il n'y a personne pour la réception côté Villefranche, et heureusement pour Cholet. Et là, pour l'instant, il y a deux joueurs au sol qui se sont percutés, il faudrait sortir le ballon là. Et attention avec ce ballon pour Villefranche, et le but, alors ouais. Alors on peut le célébrer le but bien sûr, parce qu'il existe, et monsieur l'arbitre, s'il y a un problème, c'est à lui d'arrêter le jeu. Mais en tout cas, il y a de partout à présent. Après ce but inscrit par Tom Perracino qui venait de rentrer en jeu, qui plus est. Sa Trebelzi qui prend de vitesse et qui centre derrière. Bawiya qui rate la tête alors que Alexis Sauvage s'était un petit peu troué sur sa sortie là.